Le golfe de Guerville, il se situe à l'ouest des Yvelines, en bordure de Steyne et de la 13. En fait, c'est aux portes du Vexin, sur la route entre Paris et, on va dire, Deauville. C'est un parcours qui est boisé, un petit peu vallonné. Alors bon, c'est pas des gros dévers, mais ça va être plus ou moins, on va dire, 10 mètres. Parcours pas très long, on va faire 5600 mètres. Facile pour tout le monde avec peu d'obstacles frontaux. On a trois bassins qui servent à arroser le parcours et du coup qui sont en jeu. Ça commence au trou numéro 12 qui peut être en jeu sur la mise en jeu ou sur un second coup pour quelqu'un qui débute. Sinon c'est trou numéro 15, on doit le survoler un petit peu. Et après trou numéro 16. C'est un petit parcours qui est assez franc et si on est agressif, on peut vite perdre des points bêtement. Il faut essayer de jouer en prenant le moins de risques possible. On essaie de garder un esprit un peu à l'anglaise, alors pas vraiment links, mais il y a des fairways avec des petites pentes, un peu en cuvette, on va dire un peu à l'image du parcours de l'aigle du national, où voilà, si on joue du bon côté, on peut s'appuyer dessus avec la balle qui roule et qui revient au milieu de fairway. L'idée, c'était de garder un peu un esprit de jeu de golf et de faire rouler la balle. C'est un parcours ludique, avec un tracé vraiment mignon, avec des petits dogleg, enfin, c'est vraiment sympa à jouer.